Et je tiens aussi à remercier Emmanuel Leclerc, qui est notre mentor et aussi mon prof de philo. Donc j'ai cours avec lui de 8h à 10h lundi matin. Donc bah, il est là et bah, je vais lui céder mon micro. Les amis, je vais continuer les remerciements, mais tout d'abord à Mira. Sans elle, cette prestation d'éloquence n'aurait pas eu lieu. Je remercie Antoine, je remercie Mamadou, Gwen, Julien, Zoé, Maëlle. Vous savez, croyons en nos jeunes. Laissons-nous éduquer par les jeunes. Ils ont tout à nous apprendre tous les jours. J'enseigne en lycée, en université, tous les jours. Je vais à l'école des étudiants. Ce sont eux qui me font avancer. Ce sont eux qui me font grandir. Laissons-leur leur exprimer. Laissons-les exprimer ce qu'ils ont au plus profond de leur tripes. Laissons-les nous donner ce qu'ils ont. Mais surtout, laissons-les nous donner ce qu'ils sont. Ils sont là pour nous. Parce que nous avons été là pour eux. Alors croyons en leurs capacités. Aidez-nous à ce qu'ils réalisent leurs rêves. Ils ont tout à nous apprendre. Le monde de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et nous avons une immense responsabilité, non seulement de les écouter, mais aussi de leur permettre de devenir vraiment qui ils sont. Et c'est tous ensemble que nous y arriverons. Ne laissons personne au bord de la route, car la plus grande richesse du monde, c'est la différence. Et aujourd'hui, la différence, faisons une force, n'en faisons pas un obstacle, car c'est tous ensemble, par la parole et par l'éloquence, que nos voix seront entendues. Merci vraiment d'avoir été si nombreux ce soir. Merci à tous nos speakers, merci à tous les organisateurs. Et ensemble, croyons en chacun de nous. Merci pour tout.